Bonjour, qui est à l'appareil? Bonjour, c'est Johanna. Bonjour Johanna. Quelle est votre date de naissance, Johanna? Le 30/6/1961. D'accord. Vous nous appelez d'où, Johanna? Je vous appelle de la région Centre. Ah bah, c'est très bien. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Elle concerne un homme, voilà. Pascal. D'accord. Quelle est sa date de naissance? Alors, il est du 13/10/1962. D'accord. Alors, premièrement, il y a beaucoup de compatibilité entre vos signes. Hein. On va voir ça. Hein. Je vais faire un tirage et on va regarder ça ensemble. Hein. Merci. Alors, la balance. C'est un homme agréable déjà, ce que je sens, mais on va voir ce que ça donne. Hein. Parce que ce qui vous intéresse, c'est comment ça va évoluer entre vous. Hein. Alors, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Alors. Ben ça se présente bien. Il y a une véritable attirance, hein, Johanna. Il y a une véritable attirance entre vous. Hein. Il y a beaucoup de, j'allais dire, de belles paroles dans le sens positif du terme. Hein. Oui. Mais ça n'avance pas. Voilà. Alors, peut-être aussi parce que Pascal aussi, il est passé par une période très difficile il y a quelque temps. C'est un homme qui est avenant, qui a beaucoup, beaucoup de petites attentions. C'est vraiment quelqu'un de bien, vous voyez. Mais il est blessé par son ancienne relation. Vous le sentez comme ça? Oui, ouais, il est très perturbé par ses anciennes exactement. Femmes. Oui. Et là, il n'arrive pas, j'allais dire, à construire, parce que justement, il a beaucoup souffert de sa dernière, la dernière d'il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 3 ans, d'accord? Donc oui. Maintenant, est-ce qu'il y a une construction avec Johanna, avec vous? La réponse est oui. Mais il faut attendre un peu, Johanna. Parce que vous êtes très, très attachée à cet homme, pour ne pas dire autre chose. Vous êtes vraiment... Il y a de l'amour. Oui, je suis attachée, oui. Il y a de l'amour. C'est un an et demi qu'on se connaît, et je suis très attachée. Vous êtes très attachée, voilà. Ça continue, c'est déjà pas mal. Mais construire, non, je ne vois pas quelque chose maintenant. D'accord? Ça peut durer... Vous? Oui, pardon. Allez-y, allez-y, Johanna. Je voulais juste vous demander, vous pensez qu'on construira quand même ou pas du tout? Oui, oui, mais il faut attendre un tout petit peu. Parce que là, vous m'appelez pour une période assez courte. Dans le présent du présent, dans la période qui arrive, non. Ça continue, et la relation continue. Il a une véritable attirance envers vous. Mais il lui faut du temps, j'allais dire, pour régler ses problèmes sur le plan psychologique. Il est vraiment blessé, cet homme. Hein. Alors, ça veut dire qu'il est très sensible aussi. Hein. Donc, oui. Parfois, peut-être que si vous étiez dans sa situation, vous passerez à autre chose très vite. Mais lui, non. Lui, il est vraiment... c'est une réticence qui vient d'une blessure. C'est pas un caprice, vous voyez. Oui. Voilà. C'est bien ça. Oui, oui. Donc, il y a de très bons moments aujourd'hui. Il ne vous écoutera pas si vous demandez une construction maintenant. Laissez passer un peu de temps, j'allais dire une petite année, entre 8, 9 mois et une année. Après, vous pourrez quand même parler un peu de construire ensemble. D'accord, Johanna, pour le moment. Hein. Qui est-ce qui a 2 enfants? C'est vous ou c'est lui? Moi, j'en ai 2. Voilà, c'est vous, d'accord. Oui. Parce que vos enfants sont sortis dans les cartes. Hein. Donc, vos enfants aussi veulent votre bonheur. Donc, ce sera, j'allais dire, c'est un homme idéal. C'est comme ça que vous le voyez, d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Parce que et vos enfants sont immédiatement sortis. Vous avez dû penser que c'est vraiment l'homme pour vous et pour vos enfants. Et moi, je vous dis oui. Je vous dis oui. Mes enfants sont grands, mais ils l'apprécient beaucoup. Voilà, c'est important aussi. Hein. Mais comment dire? Là, il faut, ou bien il fait une psychothérapie, ça va vous raccourcir la période, c'est-à-dire il doit sortir cette souffrance qu'il a en lui. Il a dû avoir une énorme blessure il y a 3-4 ans. Hein. Ou bien on attend qu'il termine cette période et qu'il sorte petit à petit et qu'il passe, voilà, qu'il passe à votre relation à vous. Voilà, voilà Johanna. Et ça, c'est ça? Une petite année, oui, voilà. Pour qu'on commence à vraiment à construire quelque chose. Mais vous savez, une psychothérapie, ça peut aussi servir. Hein. Oui, mais lui, il ne veut pas en entendre parler. Vous lui avez dit, hein, c'est ça. Oui. Ouais, ben on le laisse. C'est un choix. Le libre arbitre, ça existe. On le laisse petit à petit. Vous êtes une femme très douce. Vous savez
c'est-à-dire parler aux hommes, c'est certain, mais vous saurez attendre, voilà. Vous saurez petit à petit l'accompagner vers une... Il y aura une construction, mais attendez un tout petit peu, d'accord? D'accord. Voilà, une petite année. Bien, merci. Merci beaucoup, Johanna, merci d'avoir appelé. Merci Bonne beaucoup. Bonne continuation, au revoir. Vous aussi, merci, au revoir. Merci, au revoir.